J'espère que vous allez bien, donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude, hein, pour pas changer des habitudes. Donc pour ceux qui le savent, ce week-end il y avait la la DreamHack, excusez-moi, à Tours. Honnêtement, bah, j'ai pas vu d'abonnés, vraiment, mais ça m'aurait fait plaisir de voir des abonnés. Donc il y avait un petit concours à la DreamHack, organisé par la DreamHack et le PMU eSport, parce que PMU se lance dans l'eSport, enfin bref, voilà, c'est tout un pataquès. Et en fait, je me suis dit que je pouvais pas participer, tu vois, ce qui est normal. On est d'accord. Et en fait, bah, la personne qui s'occupait de ça, elle passait, voilà, elle demandait à plein de personnes de participer, tout ça, tu connais. Et elle me dit, mais les bénévoles, vous pouvez participer, parce que j'étais bénévole pour la DreamHack qui était le week-end dernier. Et du coup, bah, je me suis dit, wow, bah, tu sais, je gagne jamais rien, mais je vais tenter. Pour ceux qui le savent, même à la Paris Games Week, j'ai ramené juste un tour de coup à l'eau que tu avais en jouant juste au jeu, en basique. Je suis pas chanceux sur les bords. J'ai gagné aucun concours auquel j'ai participé. Pourtant, j'en fais depuis hyper longtemps, hein, mais je gagne jamais rien. Et là, j'ai gagné un truc. Et à un moment, j'ai un coup de fil, je me dis, mais attends, mais c'est quoi ce bordel? Je connais pas le numéro. Je regarde et là je rappelle, je dis oui, je suis désolé, je suis à la DreamHack, je vous entends mal, c'est galère et tout, je suis en train de travailler. Parce que je pensais que c'était la Japan Expo qui m'appelait pour justement que je travaille là-bas en juillet. Et en fait, non. Et du coup là, j'entends, ouais, vous avez gagné un lot. Oh, j'ai gagné un truc. Attends, moi, gagner un truc sur un tirage au sort? Oh, toi, ça me paraît bizarre ça. C'est ça. Donc voilà, on part sur un maillot de l'équipe de France. Donc je vais le déballer avec vous. Je les remercie, je remercie la DreamHack et le PMU eSport. Puisque c'est moi gagner un lot, c'est jamais, tu vois, c'est never. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, regardez-moi ça si c'est pas beau. On a pas le plastique. Si quelqu'un veut ça, je le fais gagner. Y'a pas de soucis, les gars. Et regardez. Bon, attends, il y a encore un plastique, ça fait du bruit, c'est chiant. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous le voyez assez bien. Je suis bien proche de la caméra, mais voilà, c'est un maillot officiel. Un vrai maillot d'équipe de France, on me voit plus du tout. Allez, salut, je me casse, ça dégage. Donc voilà, regardez, ça fait plaisir. Hein. Franchement, il est tout neuf, c'est un taille M, c'est pas très très grand, c'est nickel. Donc voilà, je sais pas. C'est un maillot de 2016, je crois. Voilà, pour ceux qui me croient pas, hein, produit officiel de l'équipe de France. Il y a d'autres trucs après, voilà, très très utiles. Nike, faites-moi un sponsor, Nike, faites pas les bâtards. C'est le mec. Et il y a bien marqué derrière que c'est un maillot de l'équipe de France, quoi, voilà. Il manque plus qu'à le faire dédicacer. Et voilà. Je pense que je vais le garder. Alors j'hésitais à la base, au début, à le faire gagner ou pas, ou à le vendre, mais je pense que je vais le garder. Voilà, ça fait toujours un t-shirt en plus, un maillot. Je vais vous montrer, les gars, je vais le mettre sur moi, je vais vous montrer ce que ça donne. Allez, à toutes, les gars. Donc voilà, les gars, j'ai enfilé le maillot. Alors attendez, je vais me reculer. Il est un peu grand pour moi quand même, regardez. Je sais pas si on verra bien, mais il est plutôt grand. Donc là, j'aurais juste à mettre frac 6-9, tu vois, c'est stylé. Mais enfin, il est grand un petit peu, mais ça va, il y a pire. J'ai l'impression d'avoir une robe, attends, je sais pas si vous allez voir. Regardez, j'ai l'impression d'avoir une robe, un petit peu. Wouh, regardez-moi! Et du coup, je sais pas, je vais. Soit je pense que je vais le garder, ouais, parce que je trouve que ça me va bien et tout, ça fait un t-shirt en plus. Donc voilà, les gars, c'était une petite vidéo pour vous montrer ce que je viens de gagner. Ça fait extrêmement plaisir, je remercie toujours, bien entendu, le PMU eSport et la DreamHack. Je remercie toute l'équipe qui m'a permis d'y aller, toute l'équipe, pardon, donc la Lyon eSport. Et voilà. Sur ce, je vous dis ciao, la bise, les gars. Prenez soin de vous, continuez à faire ce que vous faites, continuez à partager. Il y aura du très très lourd qui va arriver, je le dis toujours, en juin. Mais hormis ça, je vous fais gagner le DLC Hot Wheels. Donc voilà, c'était un petit placement de produit. Non, je déconne pas. Donc voilà, je vous fais gagner le DLC Hot Wheels. N'hésitez pas à participer, liker et surtout participer dans les commentaires. Pour que j'ai les noms qui s'affichent des participants, ce qui est logique, et que je puisse faire un tirage au sort. Sinon, s'il n'y a pas de nom, tu te doutes bien que ça va être compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être assez dur. Donc voilà, les gars, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à participer en masse pour le DLC Hot Wheels parce qu'il sort ce soir. Je pense que je finirai le concours dans quelques jours pour que la personne qui gagne puisse le prendre assez rapidement. Voilà, les gars, on se retrouve pour du Forza ou des nouvelles vidéos.